Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Erisha bat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Horayot, Peribet Mishnah Zain. Hasham Talouy, Ayachid Vanasi Chayavin, Omashiach Ubet Din Pturin, Hasham Vadai. Ayachid v'anasi v'amashiach chayavin obet din pturin al shmiat akol v'al bitui sfatay v'al tumat migdash v'kadoshav bet din pturin v'ayachid v'anasi v'amashiach chayavin el ha-shein kohen gadol chayav al tumat migdash v'kadoshav divrei rabbi shimon umayin mevin korban ole v'yored rabbi eliezer omer. Anassi, Mevi, Saïr. Bon, on va jongler avec plusieurs notions qu'on a déjà apprises dans les prochaines Mishnayot. On commence tout de suite par traduire. On va parler d'abord d'un Hasham Talouy, après du Hasham Vadai. Après, on va revenir sur le Korban Ole Veyored. D'accord ? On va découvrir trois Korbanot. Hasham Talouy, tout d'abord, on l'a déjà expliqué dans la Mishnah, je pense que c'est la Mishnah Hei. Il me semble, on en parlait là-bas, que, je ne sais plus si c'est pas grave, que sur une faute sur laquelle on est passible, d'un korban khatat. Si on a un doute, est-ce qu'on a transgressé ou non, on ne sait plus ce qui s'est passé, alors on est passible d'apporter un korban hasham talouy. Le hasham, un korban hasham, c'est aussi une forme d'expiation, c'est un korban expiatoire, mais qui n'expie plus sur les fautes sur lesquelles on est passible de karet bemezid, de manière générale. Ça a d'autres klalim, la Torah l'a expressément dit dans plusieurs parachiotes, en fait, que de temps en temps, il faut porter une corban, un corban qui s'appelle un corban hasham. Il n'y a pas de règle spécialement. Ceux qui arrivent à l'heure, à la tefila le matin, ils ont le mérite de lire la Mishnah de Ezoum et Koman Shel Zevachim. Là-bas, on parle du corban hasham, hasham meilot, hasham gzelot, hasham shifra chouva, hasham nazir, hasham metzora, hasham talouy, c'est le sixième. Ok ? Ça, c'est pour le corban hasham. En tout cas, concrètement, je reviens sur mon sujet pour expliquer c'est quoi le hasham talouy. Si je transgresse une avéra sur laquelle on est passible, b, mezid, karet, alors lorsque je transgresse en shogeg, par inadvertance, je dois apporter un korban khatat. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé la faute de shogeg ou non, par inadvertance, alors la Torah m'a dit, ben, pour le moment, tu apportes un korban hasham talouy. Si après même 5 ans, d'un coup, tu réalises qu'en fait, tu avais transgressé réellement la avera, tu devras apporter ensuite un deuxième korban, le korban khatat que tu as imposé parce que tu as transgressé. D'accord ? Ça, c'était pour le hasham talouy. La Mishnah vient et nous enseigne que, sache que le hasham talouy, alors, vous vous rappelez maintenant dans la mission précédente, on avait parlé de quatre parachiotes, l'individuel, le nasi, le Kohen Gadol et le par du Sanhedrin, pour la faute nationale. Alors la Mishnah va nous dire, ben, sache que ceux qui sont passibles de prendre un Hasham Talouy, s'ils ont un doute, c'est les deux premiers, et pas les deux. Les deux premiers, l'individuel et le nasi, et pas le Kohen Mashiach, ni le Bet Din, le Sanhedrin. Regardez, Hasham Talouy, apporter un korban Hasham, une expiation Talouy qu'on apporte sur le doute, est-ce qu'on a transgressé ou non. Hayachid ve'anasi chayavin. Le Yachid, l'individuel, et le Nasi, et le roi, ils sont chayavim. Ils doivent apporter, eux, un korban Hasham Talouy, s'ils ont un doute, est-ce qu'ils ont transgressé ou non. Tandis que, ou Mashiach ou Bet Din, Pturin, le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, et le Bet Din, le Sanhedrin, de Yerushalayim, où ils ont induit le peuple en erreur, mais ils ont un doute, est-ce qu'ils ont transgressé ou pas? Imaginez, tout le Ham Israël a un doute, est-ce qu'il a transgressé ou non? Eh bien, on n'apportera pas un korban Hasham Talouy national. Chaque individuel apportera son korban Hasham Talouy, oui ou non, ça dépendra de la discussion qu'on a vu avant. Est-ce que l'individuel, il doit apporter, lorsque le Bedin doit pas apporter lui-même le korban? En tout cas, donc, il n'y a pas de sur le Bedin. Et sur le Bedin, il n'y a pas de possibilité d'apporter un korban un Hasham Talouy. Sur le Sanhedrin, ni même sur le Kohen Gadol, parce que la Torah a insisté là-bas en disant Venoda'a achatat vehikrivo. La Torah l'a dit uniquement lorsqu'il saura complètement réellement, il apportera son korban particulier qui est un par, un taureau, au lieu d'apporter une kisba au Seira. La Torah, elle nous a dit ben là, il a su, il a pris connaissance. Mais tant qu'il n'a pas pris connaissance, il est passible de rien du tout, même s'il a un doute. Ensuite, Hasham Vadai, Ayachid Vanasi Vamashir Chayavin, ou Bet Din Pturin. Sur le Hasham Vadai, jusqu'à maintenant on parlait du Hasham Talouy, maintenant le Hasham Vadai, le Hasham qu'il faut apporter sur une avéra qu'on a certainement transgressé, que je vous ai dit, la Torah nous a donné par exemple
Hacham Gezelot, celui qui jure à faux pour garder de l'argent. Quelqu'un, il m'a déposé un dépôt chez moi, et je vais lui jurer que je lui ai déjà rendu. Alors là, ensuite, je devrais apporter un corban Hacham Gezelot. Hacham Meilot, c'est que j'ai tiré profit de quelque chose qui était Kodesh. Il y avait quelqu'un qui avait sanctifié ce livre, il appartient au Beit HaKaveit. Moi, je me suis venu et j'ai commencé à étudier dedans. Je l'ai profané, je devrais apporter un corban Hacham. Lorsqu'ensuite, je ferai tchouva. D'accord ? Hacham Shifra Chova, c'est celui qui a un rapport avec une chifra, avec une servante qui est à moitié libérée. Hacham Nazir, c'est un corban que le Nazir doit porter. Hacham Metzora, ok. Dans tous ces cas-là, dans tous ces types de Hachamot, alors, tous les individuels devront apporter un corban. Mais là-bas, la Torah ne nous a pas dit que si toutefois on fait une faute nationale à cause du Bet Din, qu'on devra apporter un corban Hacham national. Il n'y a pas d'option pareille. Chaque individuel devra apporter son corban Hacham. Ok. Le Bet Din, par exemple, il nous a dit, lorsque vous allez venir au Bet Amigdash, vous avez le droit de vous servir de l'eau, je ne sais pas, quelque chose qui était Kodesh. Et suite à ça, tout l'homme Israël s'est trompé. Eh bien, le Bet Din ne devra pas apporter lui-même de corban Hacham national. Il n'y a pas de possibilité. Chaque individuel devra apporter. Ok. Dernière partie de la Mishnah maintenant, qui est un peu beaucoup plus longue même, on va revenir sur le Korban Olé Veyored. C'est très simple, ce qu'on va dire c'est très simple, on connaît déjà par cœur depuis quelques Mishnah en arrière, mais on va quand même bien le réexpliquer, Be'ezrat Hashem. Le Korban Olé Veyored, c'est un Korban que la Torah nous a dit, c'est un Korban Khatat, sur une faute sur laquelle on est passible d'un Korban, si on était Bemézid, on serait passible de Karet, de retranchement. Lorsqu'on transgresse Be'shogeg, la Torah nous a fait une petite ristourne. Vous n'êtes pas obligé d'apporter un khatat kvoa, un korban khatat fixe, tout, une kisba ou une seira pour tout le monde. Mais non, ça dépend de ta fortune. Si tu es aisé, normal, tu pourras apporter une kisba ou seira. Si tu es plus pauvre, tu devras apporter shtetori moshnem nayona. Tu auras le droit d'apporter shtetori moshnem nayona, deux tourterelles ou deux pigeons. Et si tu es vraiment très pauvre, tu pourras même apporter une oblation à la place. Ça. C'est pour les. C'était quoi un korban Hacham. C'est quoi un korban Olé Veyored. Sur quelle transgression on est passible de tel korban. Il y a sur la Shmiat HaKol, on a dit celui qui jure à tort qu'il ne connaît pas de témoignage pour son prochain. Vel Bitouis Fatayim, celui qui jure juste à faux en disant que je ne vais pas manger aujourd'hui de carottes et finalement il mange une carotte. Vel Tomat Migdash, mais que l'achat veut encore celui qui rentre au Tomat Migdash alors qu'il est tamé. Sur ces trois avérotes-là, eh ben, il faut savoir, puisque c'est un korban olé veyored, on avait appris trois avis dans la Mishnah précédente, deux avis en fait, et là on va prendre le troisième avis qu'on avait déjà mentionné à l'oral, qui était rapporté dans le Bartenora. Le Mishnah nous enseigne que le Bet Din, Tourine, le Bet Din, il est dispensé de porter un par Helem d'Apar Shel Tzibur, tandis que Vayachid, Vanasi, Vamashiach, Hayavin, l'individuel, comme le Nasi, le roi, ou le Mashiach, le Kohen Gadol, le Mashiach, ils seront tous passibles d'apporter le Korban Olé Veyored et lâché, ouais, en théorie. Maintenant, la Mishnah nous précise et lâché en Kohen Gadol, Chayav, Altumad, Migdash, Ukadashav, divré Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous enseigne, mais attention, il y a quand même une petite remise de peine, c'est que le Kohen Gadol qui entre impur à l'intérieur du Beit HaMikdash, lui n'est pas passible d'apporter un Korban Khatat Olé Veyored. Il ne devra rien apporter, c'est déduit de Psukim. Bref, on le déduit de Psukim, d'accord. Le partenaire rapporte ici, il rapporte la Gemara, qui nous déduit de Psukim, dont on apprend que le Kohen Gadol n'est pas passible de Khatat lorsqu'il entre Meshogeg au Beit HaMikdash. Umaen Mevin, et qu'est-ce que, pour toutes les avérotes qu'on a mentionnées maintenant, les trois avérotes, les deux serments, la Shvuat HaEdut, celui qui jure qui ne connaît pas témoignage, ou la Shvuat HaPikadon, celui qui a été déposé en langage, ou encore le celui qui rentre au Beit HaMikdash alors qu'il est impur, Ma'en Mevin, qu'est-ce qu'ils devront apporter? La Mishnah enseigne Korban, Olé Veyored. Tous devront apporter un Korban, Olé Veyored, un Korban selon son rang social. Donc, question, si le Nasi, il est entré au Beit HaMikdash, Be'shogeg, quel Korban devra-t-il apporter? Réponse, un Korban, Olé Veyored. Tu ouvres la paracha dans Vaikra, Perek, et c'est le début, c'est toute la paracha du Korban Olé Veyored, et la Torah commence à te dire, si tu es aisé, la Torah te dit qu'il se bat au Seira. Et là, j'ai une réponse à la question que je vous ai posée dans le cours précédent. Comme quoi, Baruch Hashem, je vous le dirai après. D'accord, la Torah nous dit, bah, t'apporteras une qui se bat au Seira, donc le Nasi devra lui aussi apporter une qui se bat au Seira. La Mishnah continue en nous disant, attention, Rabbi Eliezer Omer, ouais, il ne pourra jamais apporter, lui, des tourterelles, ou des pigeons, ou encore
apporter une oblation parce qu'il est toujours riche, le roi, on a une obligation de lui donner nous-mêmes de l'argent. Mais donc il doit apporter une kisba au Seira. Et bien Rabbi Eliezer, il vient, il nous dit non, un nasi mevi sa'ir. Le nasi devra apporter un korban sa'ir, un sa'ir, un bouc. Pas une femelle comme quelqu'un du Amisrael comme tout le monde, mais non, un bouc masculin de la famille des chèvres, il devra apporter nécessairement, parce que chez le nasi, c'est comme ça qu'il fait son expiation. Et la halakha n'est pas fixée comme Rabbi Eliezer, il me semble. Rien à la halakha Rabbi Eliezer, nous dit le Bartanora. Ok. Maintenant, juste la petite réponse que dans le cours précédent, je vous avais dit. Chaque fois qu'on voit que Chazal il rapporte les mots Kisba au Seira, l'ordre qu'ils choisissent, c'est nous dire qui la brebis avant la chèvre. Kisba au Seira. Or, lorsqu'on regarde dans la parasha du Khatat, la Torah elle commence à nous dire d'apporter d'abord un. Il n'y a pas de différence dans la Torah, mais en tout cas dans l'ordre choisi par la Torah, elle nous dit Seira et après une Kisba. Et j'avais un problème, je me suis dit, mais pourquoi alors dans ce cas-là? Pourquoi dans ce cas-là on utilise à chaque fois le mot Kisba au Seira et pas Seira au Kisba? Pourquoi ça sonne mieux? Qu'est-ce que... La réponse, elle est très simple. J'ai enfin fait attention que dans la parasha du Korban Olev et Yored, pour le riche, il devra apporter la Torah le dit explicitement Kisba au Seira Teizim. Elle a utilisé le mot Kisba au Seira en utilisant le mot Kisba au Seira. Kisba, la brebis avant la chèvre. Donc du coup, on a une phrase toute faite, enfin, on l'utilise, Kisba au Seira, Kisba au Seira, c'est pour ça que Razal, ils ont fondé leur mot sur ça. Vous pourriez me dire, ben, pourquoi des fois la Torah choisit de mettre la Kisba avant la Seira et la Seira avant la Kisba? Ça, c'est une nouvelle question. Peut-être qu'au prochain cours, on aura une réponse, ça aussi. Je vous souhaite en tout cas, pour le moment, une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.